Maintenant, je demande ce qui nous attend. Des cuisses de poulet, génial, j'adore. Il ne faut pas oublier d'ajouter la sauce. Ça aura tellement mieux au bois avec. Non, je pense pas. Quel délicieux maïs. Il n'y a vraiment pas de piège. Je pense que c'est aussi dans mon soda. Regardez ce que j'ai. C'est là que tu commences. Ça me dérange pas. C'est bizarre, pourquoi mon soda ne coule-t-il pas? Ça n'a pas l'air d'être liquide. Qu'est-ce que je suis censé faire? Waouh, c'est de la gelée. Je me suis frappé le front. Tiens-toi bien, jeune. Mieux encore, partage tes goodies avec nous. Je suis d'accord avec Miranda. Ne t'approche pas de moi. Je ne vous donne rien du tout. T'es tellement grossier. On va te les rappeler. Eh bien, vous êtes les bienvenus. C'est tout, j'ai fini. C'était pas difficile. T'as un grand appétit. En fait, c'est le tour d'Emma. Je voudrais pas goûter cette sauce piquante. Je ferai semblant de le verser sur le poulet. Mais je ne le goûterai pas. Non. Et pas question, ça ne va pas marcher avec nous. Vas-y, Emma. Mon Dieu, cette sauce dégage de la vapeur. Je parie que c'est très épicé. Waouh, regardez ça. Non, la cuisse s'est évasée pendant un moment. Ça va être difficile pour moi. Je vais juste imaginer comme c'était du poulet normal. Oh non, je suis en train de brûler. Et maintenant, tourne, pas contre nous. Wow, qu'est-ce que c'est? Je pense que mon maïs est correctement grillé. Ça transforme en pop-corn. Vas-y doucement, Emma, tout est sous contrôle. Oui, merci, Johnny. Wow, j'ai brûlé les cuisses de poulet jusqu'à la bride. Au moins, j'ai du pop-corn. Il faut avoir du côté positif à tout. C'est tellement croustillant, c'est génial. Awesome. Nous voulons aussi l'essayer. No. Eh oui. Enlevez vos membres. Je n'ai pas l'intention de partager. Regarde, John. Les oreilles de Miranda sont devenues jaunes. Pourquoi me regarder comme ça? En fait, vos oreilles sont aussi changées de couleur. Quelle surprise! Découvrons ce qui nous attend cette fois-ci. Le chewing-gum au bec rouge et une belle surprise. Comme c'est bon! Le chewing-gum est petit et ma pastèque est énorme. Je vois que vous avez de la chance, les gars. Vous ne pouvez pas dire ça de moi. Et un bol entier de verre vivant dedans. Bon appétit, Miranda. Ouvre ta bouche. Comment je sens maintenant? Je ne mange pas de verre vivant. Tu n'as pas le choix. Alors, je vous propose de vous dépêcher. Merci. Les conseils ne sont pas susceptibles de m'aider, mais ça me fait pas du tout sentir mieux. Oh, c'est quelque chose de délicieux. Non, c'est dégoûtant. L'imagination ne fonctionne pas du tout. Hey, tu peux pas abandonner à mi-chemin. Tu dois aller jusqu'au bout. Voilà, un autre conseil stupide. John, tu ne m'aides pas, tu gâches tout. Ces verres bougent dans ma bouche. Je ne peux pas le supporter. Oh, comment tu fais cela? C'est fou. Mais j'ai peur de me souvenir de ce cauchemar pour le reste de ma vie. Je n'ai jamais mangé quelque chose comme ça. Oh non, les verres sont coincés dans ma gorge. Je ne peux pas respirer. Tu n'aurais pas dû les cracher en blanc de mon visage. Désolé, c'est sorti par accident. Considérons que c'est ma façon de tourner de confinement. Oh, j'ai divisé déjà la pastèque en deux. Maintenant, je peux la manger. Oh. Cette odeur me rappelle l'été. Je déteste te le dire, John, mais le rouge est ma couleur. Et c'est là que la pulpe de pastèque. Alors, je vais manger tout ça. Et vas-y, mange des croûtes vertes. Ce n'est pas juste, car j'ai eu la pastèque. La vie n'est pas juste du tout. Réponds-toi. Tiens, reprends les croûtes. Je les ai libérées du tout. T'es le bienvenu. Et en fait, je ne veux pas ça d'ailleurs. Je ne veux plus rien voir avec toi. Non, mais ces croûtes sont tellement amères. Non, c'est ton choix. Je n'insiste sur rien. Oh, les gars, vous êtes si drôles. Je vais éclater de rire. Oh, en fait, vous m'avez presque fait oublier mon chewing-gum. Ah, c'est bon ça. Oh non, elle a toutes les bonnes choses.
Oh, ne soyez pas jaloux. Oh, regardez-moi plutôt faire des bulles. Wow! Oui, il est temps de remettre Emma à sa place. Maintenant, nous allons nous venger d'elle pour tout. Ah, je ne peux rien voir. Quelqu'un fait éclater mon chewing-gum. Le rouge te va bien, Emma. Wow, nos coups sont colorés. Bon, c'est parti, ça. Oh non, c'est un crabe. C'est tellement effrayant. J'ai peur de lui. Faudant que je le remets en place. Au moins, tu sais ce que toi. Moi, je comprends pas du tout. Mais ça a l'air cool. Je peux déjà sentir les frites. C'est délicieux. Je peux enfin me rafraîchir. Vas-y, Miranda. Nous nous remettons à toi. Vous pouvez être très gentil parfois. Les frites sont si chauds, comme si ça était tout juste du four. J'adore. Je suis prête à manger toute l'assiette de suite. Oh, c'est une sucette en sucre. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que c'est du fizz. Ah ouais, cela donne un goût encore meilleur à la sucette. Je veux plus de fizz. Oh, ce n'est pas juste. Tout le monde reçoit les goodies, sauf moi. Je dois manger ce crabe. Pourquoi le destin est-il si injuste? J'essayais de prendre une bouchée de la griffe. Comme c'est dur. Ah oui, j'ai une idée géniale. J'adore les frites. C'est la meilleure des friandises. Je veux encore et encore. C'est bizarre, oui, pas c'est mon assiette. Je ne peux pas le sentir. Et moi, tu l'as pris? En fait, ce n'était pas moi, c'était mon crabe. Désolée, je ne l'ai pas pu l'arrêter. Arrête d'essayer d'arracher mes dents. Rends les frites. Je pense que le jeu se prépare. Je pense que ça va être amusant. D'accord, prends tes frites. Je vais essayer une autre bouchée de la bouche au crabe. Qu'est-ce que tu fais? Je cuisine. Je ne vais pas manger cru cette fois-ci. C'est génial, ça. T'as bien réfléchi à tout. Oh non, je me suis brûlé le doigt. C'est si chaud. J'ai besoin de souffler. Heureusement que j'ai des pinces. Je peux facilement sortir le crabe d'eau. Oh, c'est parfumé. Je suis sûre que je vais adorer son goût. Emma, nous ne savions pas que tu pouvais cuisiner aussi bien. Je peux l'essayer? Non. Bien sûr que non. Je me demande même pas. Je fais ce crabe et je vais le manger. C'est un jeu équitable. C'est délicieux maintenant. Ouais, il y a beaucoup de crabes. C'est génial. Regarde ton nez. Ouvrons les couvercles. J'ai un beignet. Il est si délicieux. Et pour le dessert? Oui, une sucette. Génial. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un scorpion? Pas du tout. Oh, canne à sucre. Miranda, garde la ligne. Moi d'abord. Tu ne vois pas que je suis déjà en train de manger mon beignet? C'est doux et si génial. Je vais m'étouffer avec ma salive. Partage. Qu'est-ce que t'as fait? Tu m'as fait mordre mon doigt. Désolée, je vais t'aider. Tiens, mets un pansement. T'as l'enterré. Oh, un beignet? Il n'a jamais été aussi proche de moi. C'est si délicieux. Quel coup de chance. Je n'aurais jamais pensé. Oh, merci de m'aider. Mais où est passé le beignet? John, tu veux pas dire quelque chose? Même s'il est tard. Non, je ne veux rien entendre. Ah, mange ta sale sucette. Qu'est-ce que tu fais, Emma? C'est trop. En fait, la sucette n'est pas aussi désagréable que je le pensais. Oh, comment tu peux manger ça? Oui, je ne peux pas le voir. Et moi, j'aime ça. C'est du caramel ordinaire et c'est délicieux. Oh non, je me suis trop emporté. Je crois que j'ai un scorpion dans la bouche. Quel cauchemar, emportez-le. Jette-le. Quelle frayeur que tu nous as donné. J'ai fini maintenant, toi, Miranda. J'adorerais. Cela fait longtemps que j'ai envie d'essayer mes bonbons. C'était vert, donc il m'était destiné. Et ça, c'est rouge, alors c'est à moi. Bon, c'était vraiment juste. Prenez tous mes bonbons. Je vais devoir vous donner une leçon. Préparez-vous, bientôt vous aurez plus de bonbons que vous n'avez jamais vu dans vos vies. Qu'est-ce que tu fais, Miranda? Range l'inspire.
ne ferai pas. C'est vous qui peuvent. Bonne chance. Et moi, je pense que nous devons attraper les bonbons avec nos bouches. Oh, je crois que nous n'avons plus de bonbons. Nous avons besoin d'autres. Des bonbons jaunes? Pas du tout. Je peux enfin les goûter. Oh, j'attends ce moment depuis si longtemps. Alors, comment c'était bien en détaillé? Oh oui, en fait, nos mains sont maintenant colorées. J'ai d'abord enlevé le couvercle. Wow, un ours en gomme! C'est tellement énorme, super! T'es une fille très chanceuse, félicitations! La marmelade de B est ma préférée. Il faut que je prenne une bouchée. Elle ne sortira pas. Je dois trouver quelque chose. J'ai une idée, je vois une fissure. Nous devons en profiter. Super! Maintenant, j'ai un énorme morceau de marmelade. Génial! Ouais, la meilleure marmelade de tous les temps. J'ai besoin d'une recharge. Je suis prête à arracher le morceau à mes amis. La prochaine fois, fais attention. Oh, Emma, maintenant, t'es toute rouge. C'est à toi de jouer. Oui, une montagne d'œufs. J'avoue que ce n'est pas du tout ce que je m'attendais voir. Oui, je ne peux pas empêcher que je fasse de ton appétit. Tu ne peux pas refuser, mange. Sinon, nous allons t'enfourcer. Pas du tout, je vais me débrouiller d'une manière ou d'une autre. Même si ça ne sera pas facile. Oh, c'est dégoûtant. Je ne peux pas l'avaler. Nous étions d'accord pour que tu manges tout. Laisse-moi t'aider. Maintenant, nous allons faire un lait de poule. Crois-moi, tu vas l'adorer. Prends un plus gros mixeur et casse tous les œufs. Comme ça. C'est très facile. Oh, regarde comme je suis doué pour cela. Mais attention, John. Tous les coquillages volent vers moi. Je me suis juste laissé emporter, Emma. Eh bien, il est temps de donner un bon coup de fouet. Ouais, c'est fait. Oui, et on verse dans un ciboire. Oui, c'est la bombe. Ça ne me dérangerait pas d'en avoir un moi-même. Merci, John. C'est pas mal. Mais je pense que c'est pas bon du tout. Ouais. Non, en fait, c'est le goût des œufs crus. Pourquoi t'as tout craché en plein dans mon visage? J'espère que la nourriture m'aidera à le récupérer. Mais je ne pense pas. C'est des pois verts. Je ne les aime pas. Mange, John. T'as dit toi-même, ce sont les règles. Tu devrais au moins ouvrir un point pour commencer. Je n'ai pas à l'avoir. C'est facile. Regarde. Un, deux, et c'est fait. Merci beaucoup, Emma. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Je ne mangerais probablement pas ces points dégoûtants. Ah, peut-être qu'il faut lui donner une chance. Ah ouais, ce n'est pas aussi grave que je pensais. Je peux manger tout le pot d'un coup. Je ne pensais pas que tu aimerais autant. Oui, c'est tout à fait comestible. Mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Je crois que je vais avoir des gaz. Je suis désolée. Pourquoi t'as fait ça, John? On va s'étouffer. Je suis désolée, ça doit être la fin. Oh, comment va ce mal bébé? C'est quoi? J'espère que c'est quelque chose de délicieux. Ah oui, c'est une bombe. Descends, ça va exploser. Ça a l'air cassé. Quelque chose ne va pas. Oui, j'ai compris. C'est une bombe sucrée. Oui, c'est tellement bon. Une saveur vraiment explosive. Wow. Tu ne peux pas t'arrêter. Je vais encore et encore. Je voudrais pouvoir l'essayer aussi. Pas question, c'est tout à moi. Oh wow, t'as tout mangé si vite. Il reste une dernière pièce. C'est la première fois que je mange un chronomètre. C'est vraiment bon. Tout le monde devrait l'essayer. Attends, c'est quoi ce bruit? T'entends? Oh non, ça vient de là-bas. Qu'est-ce que c'est? C'est une vraie bombe. Une vraie... Oh, à l'aide! Qu'est-ce qui se passe? Salut tout le monde, j'ai entendu quelqu'un ici demander de l'aide. T'inquiète pas, je vais te sauver. J'ai un ruban spécial. Voilà, vous êtes en sécurité. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me demande combien de temps avant qu'il explose. Ce n'est pas clair, mais nous devons nous dépêcher. Oh, allez! Quelqu'un sait comment utiliser ces boutons? Oh, je crois que j'ai tout gâché. Mon travail ici est terminé. Oh, wow! C'est tellement haut! Marie, que faisons-nous avec la bombe? Ne panique pas, j'ai un plan. Juste ce dont nous avons besoin. Marie, cela ne va pas t'aider?
D'accord, et ce poulet? Non, bien sûr que non. Tu n'es pas du genre à te faire plaisir. Et t'en penses quoi de ça? Non, mange ça vite. Bon, c'est un lieu avec toi. Oh, j'ai trouvé. Ça devrait le faire pour toi. Oh, je vais juste mordre le fil. C'est une excellente idée. Tu as tellement de fil. Qu'est-ce que tu veux couper? Je pense que le blé. Marie, s'il te plaît, devine. Oui, c'est fait. Nous sommes sauvés. Oh non, le temps est passé encore plus vite. Et c'est bon que nous mangeons le plus de chocolat. Je vais gagner. Ah, un de plus. Je ne vais pas m'éloigner de toi. Ah ah, l'égalité, c'était génial. Oh non. Wow, je suis si heureuse. C'est le nouvel iPhone. Moi aussi, c'est le meilleur cadeau qui soit. Nous avons deux iPhones identiques. Je sais pas. Allez, je vais aller voir. Oh, wow, c'est si confortable dans la main. Il y a aussi beaucoup d'applications. Dis-moi, pourquoi ne fonctionne-t-il pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. Wow, c'est un iPhone en chocolat. Je n'ai jamais goûté quelque chose comme ça. Oh, c'était délicieux. Wow, si t'as un chocolat, alors j'en ai un vrai. Génial, il est temps de prendre des selfies. Oui, bonne idée. Souris. Bah, attends, tu gâches la photo. C'est beaucoup mieux. Eh bien, tiens bon, ma vengeance sera brutale. Oulala, je suis si mignonne. Arrête. Oh non, mon iPhone. Bien fait pour toi. C'est donc toi qui m'as fait peur. Oups. C'est moi, mon iPhone en chocolat. J'aimerais qu'il aille bien. Oh non, mon ton nouveau téléphone. Pourquoi je ne pourrais pas prendre de superbes selfies? Oh, j'ai une idée. Oh, qu'est-ce que tu veux? Échangeons nos téléphones. Oh, vas-y, allez. Donne-moi le tien, tu prends le mien. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est cassé. Chelsea, tu m'as trompé. Quoi? Elle mange aussi mon iPhone en chocolat. Prends-le-moi. Ce n'est pas l'échange pour lequel j'ai signé. Il ne reste qu'un petit morceau. Oh. Wow, un chargeur de chocolat? Je doute que cela t'aide, mais ça vaut le coup d'essayer. Wow, je peux manger cet iPhone maintenant, tout de suite, n'est-ce pas? Wow, quelle chance pour Marie. La jalousie en silence. Peut-être que je peux réparer mon iPhone. Ça vaut le coup d'essayer. Alors, commençons. Oh, allez, aidez-moi. C'était une très mauvaise idée. Oh, c'est une sacrée coiffure que t'as. C'est drôle. Moi d'abord. Ma surprise préférée de la maternelle. Il y en a aussi tellement. Génial, j'en ai aussi. Six d'entre eux. Quoi? Quoi? T'en as aussi? Qui a les chocolats et qui a les vrais? Je sais pas. J'ai commencé alors. Il faut que je nettoie ça rapidement parce que j'ai hâte de les essayer. Du chocolat au lait, j'adore. Il y a aussi des M&M's sans bonbons à l'intérieur. C'est deux fois plus bon. Wow, oh, j'en veux aussi. C'est vrai, j'ai ma propre surprise Kinder. L'odeur est si douce. Oh, c'est un vrai œuf. C'est dégoûtant. Bien fait pour toi. Ce n'est pas juste. J'espère que le prochain œuf ne sera pas comme ça. C'est tellement effrayant d'essayer. Oh non, il y a jeune œuf ici aussi. Vous allez l'air horrible. C'est le pire tour de tous les temps. Mais j'aime bien. Parce qu'un Kinder Surprise est la meilleure chose délicieuse du monde. C'est du chocolat sucré et il y a toujours une surprise qui attend l'intérieur. Wow, des boules de chocolat. J'adore. Mais j'ai aussi envie de manger un vrai Kinder Surprise. Chelsea, laisse-moi en essayer, s'il te plaît. Non, comment tu peux donner une Kinder Surprise à quelqu'un? C'est juste à moi. Chelsea, t'es si gourmande que je ne sais pas quoi faire. Ah, je sais. Je vais jouer un tour à Chelsea. Peut-être qu'elle réalisera que tu dois manger avec tes amis.
manger. Vas-y. C'est ce qu'il faut. Arrête, c'est quoi ce goût désagréable? Ça ne t'a pas plu? Ah, tu l'as mis en place. Tiens, bon, prends ça. Oh non! Mon visage, c'est sale. Ta farce a été un échec. Oh, c'est dégoûtant. Tu dois manger toutes les surprises de Kinder. Non, pas ça. Je suppose que je dois le faire. En fait, j'ai une meilleure idée. Organisons un barbecue. Qu'est-ce que tu fais de nouveau? Te prenons un œuf? Un œuf et en cassons la poêle. Et ça fait avec tous les œufs. Et puis tiens, un œuf brouillé savoureux. Ça a l'air délicieux. Marie, je peux en essayer? Non, ces œufs sont juste pour moi. Eh bien, une astuce de cuisine dangereuse. Wow. Oh, c'est tellement haut. Une idée. Oui, prends ça. Non. C'est mieux sur toi. Mes œufs sont fichus. Je ne cuisinerai plus. J'ai mimé. Wow. Un set de McDo superbe. Attends, moi. Oh, moi aussi. Je l'essaie d'abord. Le coca est un excellent désaltérant. Quoi? Comment cela est-il arrivé? Oh, je l'ai eu. J'ai du coca au chocolat. C'est vrai. J'adore le chocolat. Awesome. Oh, wow, génial. Wow, c'est une machine à fabriquer des bonbons. Wow, le coca au chocolat et les M&M's aux bonbons sont la combinaison parfaite. Moi, je veux aussi. Essayons. Ah! Aidez-moi, je suis toute mouillée. Non! Alors, comment se passe cette douche à la coca? Il n'y a rien de drôle là-dedans. Oups, dommage que tu n'aies plus le coca. Je me demande si les frites sont aussi des frites au chocolat. Oui, un vrai délice. Des frites aux pépites au chocolat. Personne d'autre n'a jamais goûté ça. Je veux manger tout en même temps. C'est délicieux. Tu pourrais les manger pour toujours. Waouh, même la boîte est comestible. Quoi? Tu ne plaisantes pas? Tu te moques de moi? Oh, ce n'est pas comestible. Oh, je n'ai plus de frites et plus de coca. Je te sens pas mal, c'est parti. Waouh, merci beaucoup. C'est vraiment délicieux. Intéressant ce qu'il y a sous ces couvercles. Oh, je n'ai jamais vu une sucette aussi grosse et méchante. La mienne est aussi vraiment horrible. Mais au moins, c'est pas aussi gros. Les filles, nous n'avons pas eu de chance cette fois-ci. Mais Candy a été la plus malchanceuse. C'est vrai. Mais au moins, tu dois manger la sucette en première. Parce que c'est toi qui as le plus petit. Essayons. J'espère que je vais pas vomir. Je savais pas que c'était aussi bon. Oh, je pense que la mouche a pris vie. Oh, c'est vraiment dégoûtant. J'avais une mouche vivante dans la bouche. Polly, c'est à toi. C'est ce dont j'avais peur. J'espère que ce scorpion ne me piquera pas. Mais la sucette a bon goût. J'ai hâte de te manger. Oh, il semble que j'ai oublié la surprise qu'il y a à l'intérieur. C'est un vrai scorpion. Oh non, elle m'a piqué dans le nez. Ça fait tellement mal, mon mauvais nez. Oh, mon pauvre nez. Oh, vous rigolez, vous, Candy. Non, mais vas-y pour toi. Pourquoi? Non, mais les poissons ne me piquent pas, c'est juste dégoûtant. Vous avez raison, la sucette a vraiment bon goût. Awesome. Oh, j'ai une idée. Vas-y, tant qu'il mange, on joue. Polly, vas-y, réveille-toi. Candy a presque terminé. Pourquoi est-ce que je perds autant de temps avec ça? Il existe un excellent moyen de faire descendre cette sucette beaucoup plus rapidement. Attention!
Donc, maintenant, c'est fait. Bon, les filles, vous n'aurez pas à m'attendre longtemps. Bon, c'est bon. Oui, génial. Il m'en reste encore. Et le poisson? Non, j'espérais que vous alliez oublier. C'est tellement dégoûtant. Oh, ça pue. Oh non, sa queue. Candy. Oh, c'est pas drôle du tout. Non, je vais la manger. Oups, je crois que c'était trop vite. Non, j'ai pas vomir. Bon, tu dois la manger. Je sais comment le faire vite. Oh, c'est fait. Bon, ça fait mal. Bon, la prochaine fois, fais attention. Oups. Teste pour ouvrir le couvercle en première cette fois-ci. J'adore Twix. J'adore. Génial. J'aime aussi cette barre de chocolat, mais pourquoi c'est si petite? Pas de chance pour moi. Awesome! Come on! Mais regardez quel géant j'ai eu! C'est ce que j'appelle une barre chocolatée. Zara, mais tu vas d'abord manger. J'aimerais beaucoup. J'espère que ma barre de chocolat est au moins la plus savoureuse. La manger avec mes mains est déjà assez difficile, alors je le ferai avec une pince à épiler. Je vais essayer. Pas mal. Génial, super bon. Oui, génial. Alors, maintenant, je vais manger mes Twix. Oui, c'est tellement grand. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais vraiment mordre aussi rapidement. C'est génial. J'ai mangé toute ma barre. Non, mais attention. N'importe quoi. Oui. Bon, est-ce que c'est mauvais? Non, je suis vraiment fatiguée. Moi, il faudra que tu finisses la deuxième partie. Ah, je vais essayer. Je connais un moyen de manger quelque chose très rapidement. Ça n'a pas marché. Et maintenant, ça a marché. J'avais juste besoin d'aide. Oh, qu'est-ce qui se passe avec mon cou? Je te sens pas mal, ça te va bien. Maintenant, c'est à mon tour de manger des chocolats. Mais d'abord, je vais les utiliser pour faire une farce à Lila. Je me demande si je ressemble à un vampire avec ces coques. Oui, mais pourquoi les coques sont-ils bruns? Oh, moi, j'ai vraiment tellement râle tout le monde. Maintenant, tu peux avoir des chocolats. Oh, miam. Il n'y a rien de plus cool qu'une barre Twix. Il ne reste plus qu'à te lécher les doigts. Qu'est-ce qui nous attend cette fois-ci? C'est tout? Oh non, mais les œufs de pastèque ne sont même pas consommés. Ouais, moi, j'ai une vraie pastèque. Et plutôt une partie de cette pastèque. Et j'ai la pastèque entière. Mais l'honneur de manger en premier, je suis d'accord pour le donner à Polly. C'est vrai, parce que je suis la plus affamée ici. Comme c'est bon. Quelle pastèque juteuse et sucrée. Je vais bien le terminer. Comme c'est bon. Mais où le mettre tous ces os? Hé, là, aide-moi. Bon? Polly! Non, mais ça a percé la coquille de ma pastèque. Et maintenant, je sais ce qu'il y a. Un tas de bonbons colorés à l'intérieur. Génial. De plus, les bonbons sont délicieux. Alors, qu'est-ce qui vous retient? Je dois manger tous les bonbons en même temps. Génial. Quelque chose me dit que l'écorce de cette pastèque est tout aussi savoureuse que son intérieur. C'est vrai? Je suis tout simplement ravie. Quelle chance pour moi. J'y suis tellement pleine. Eh bien, Zara, c'est l'heure de l'os. Mange un noyau de pastèque, c'est bizarre. Ça n'a pas du tout le même goût. Moi, je sais que tu peux faire avec. Pourquoi ne pas faire pousser ma propre vraie pastèque? La grand-mère m'a appris à prendre soin des plantes correctement. Zara, prends soin de toi. Tu as renversé la terre sur toute la table. Aïe! Oh, ça m'est même retrouvé dans nos bouches. Oui, j'ai mis un trou. Et maintenant, je vais l'enterrer. Ensuite, je la ressemblement. Voilà, juste comme ça. Tout ce que tu dois faire est d'attendre alors. Awesome! Vas-y.
Comme tout s'est passé vite. Wow. Je ne crois pas qu'elle ait réussi. La pastèque a grandi, il est maintenant temps de diviser un morceau pour que tu puisses engloutir chaque moitié. Je peux enfin profiter d'une pastèque fraîche, sucrée et juteuse. Ah oui! C'est tellement drôle quand tu manges, mais t'as fait un excellent travail. Alors, on commence? Je vais y aller en première. Waouh, le chocolat, cool! What? Mais qu'est-ce qu'il n'a pas avec elle? Mais comment je suis censée la manger? C'est complètement fondu. Je t'en dis pas. Oui, il faut penser à quelque chose de toute urgence. Je sais comment manger ma barre de chocolat. J'ai besoin de glace et de ciseaux. Oui, maintenant, je vais essayer un peu. Ouais. Si j'enverse ça un peu comme ça, oui, je vais le manger super bien. Et c'est vraiment super amusant de dessiner à part le chocolat. Oh, j'en barre déjà. Je vais essayer. Génial! Marie, pourquoi t'es assise là? Vas-y, ouvre! Oh! Oui, quoi? N'importe quoi! C'est le chocolat qui est glacé! Bon, voyons! Yummy! C'est appétissant! Mais c'est comme une pierre! Comment je vais la manger? Vas-y! Vas-y! Allez! Bon, je vais essayer de lécher comme un cône de glace. Non, mais tu vas le manger pour toujours. Heureusement que j'ai le chocolat liquide. Je vais faire vraiment n'importe quelle forme et je vais bien la manger. J'ouvre d'abord, non moi. Vas-y, tu commences. Une gaufre congelée? J'aime bien les gaufres, bien sûr, mais pas congelées. C'est dur comme la pierre. Et qu'est-ce que t'as? Voyons voir. Oui, c'est de la chance. J'ai une gaufre toute prête et savoureuse. Miam. J'ai hâte de manger tout ça. Oh, c'est trop chaud. Oh non, maman. Marie, tiens ma gaufre. Oh, c'est beaucoup mieux. Merci. Mais comment je suis censée manger ma gaufre? J'ai une idée. C'est pour ne pas se salir. J'ai mangé avec une fourchette et un couteau. Et je vais bien souffler. C'est bon, qu'est-ce que tu fais? Stupide gaufre congelée. Allez, allez. Oh ouais, peut-être qu'en petite bouchée, je pourrais la manger. Non, c'est encore dur. Bon, je vais pas la manger. Ok. Mia, ne sois pas triste. Mia, ne sois pas triste. Regarde, ma gaufre est suffisante pour deux. Vas-y, serre-toi. Alors, on ouvre ensemble, allez. Waouh, un chocolat chaud avec de la marmelade. J'adore ça. Ouais, mais c'est vraiment froid. J'ai une idée. Je vais boire avec une paille. Mais pourquoi j'y arrive pas? Ouais. Alors, j'ai vraiment du chocolat chaud. Ce n'est pas juste. Mon chocolat est si froid qu'il n'en coule même pas. Et bon, j'ai bien le léché. Mais en fait, ça a bon goût. C'est comme la crème glacée. J'ai eu de la chance. Oh, j'ai des marshmallows doux et sucrés. Le chocolat, oh, c'est chaud. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, je sais. Je vais prendre mes gants. Alors, ils ne vont rien sentir. Génial. Oh oui, c'est super bon. Vas-y, lèche tes glaçons. Oh. Hey. Pourquoi t'es la première? Allons-y ensemble. 3, 2, 1. Des nouilles. Yay. Yummy. Oh, c'est cool. Attendez, c'est congelé? Oh, j'arrive même pas à sortir les baguettes. Oh non. Oh, et pas de chance. De mon côté, je suis sur le point de prendre un délicieux goûter. Je manie les baguettes comme un ninja. Alors, essayons. Oh oui. Oh non. Ma bouche est en feu. Attention, je peux pas m'en empêcher. Je sais comment faire fondre mes nouilles. Donne-moi un peu d'aide, Mia. Oui, maintenant je peux aussi manger mes nouilles. Oh, cela semble devenir plus facile.
Ces nouilles sont trop épicées. Merci d'avoir aidé. Maintenant, je vais prendre une bouchée aussi. Comment c'est appétissant. Oh, désolée. J'ai vraiment oublié des manières. Un combat de doigts, Mandora qui passe en première. Tu ne peux pas me battre. Nous allons voir ça. Oui, j'ai gagné. Alors, qu'est-ce que j'ai? Une sucette fondue. Et comment je suis censée manger ce truc? Ok. Bon, qu'est-ce que t'as? Oh, wow! J'ai une sucette entière. Oui, je vais essayer. Non, ma langue. Alors, je sais comment faire pour Mia. Alors, c'est où? Génial. Mia, aide-moi, s'il te plaît. Ma langue. Vas-y, vas-y. Je vais le... Oui, j'ai réussi. Ta langue est en liberté, quoi? Non, je crois que j'ai fait trop d'efforts. Stupide blague. Bon, je vais m'occuper de ma sucette. Ouais, je sais ce qu'il faut faire. Je vais faire des bulles. Cool. Je suis très douée pour cela. Et ces bulles sont tellement savoureuses. Je peux essayer? Eh ben non. Vas-y, pierre, papier, ciseaux. Oui, j'ai gagné. Moi d'abord. Je me demande ce qu'il y a là-dedans. Des nuggets. J'adore. Oui, j'ai hâte de les goûter. Oh, tellement chaud. C'est mieux comme ça. Comme c'est bon. Génial. Vas-y, Mia. Bon. Des nuggets surgelés. Comment je vais le manger? Je peux même pas ouvrir le paquet. Allez, je vais t'aider. Regarde, comme ça. Tiens, tu n'aurais pas dû... Non, tu n'aurais pas dû l'ouvrir. Bon, je vais essayer. Aïe. Ouais, ils sont comme une pierre. Bingo. Ouais, mais je vais les juste... Ouais. J'ai en fait à repasser. Non, c'est pas vraiment en fait à repasser, mais bon. Oui, génial. Oui, c'est pour les cheveux, mais c'est quand même cool. Oui, je suis un génie. Oui, j'ai hâte de voir. C'est qui? Ouais, je l'ai ouvert en première. J'ai de la pizza. Non, ce n'est pas juste. Désolée. J'adore la pizza. Elle est tellement appétissante. Génial. Maintenant, c'est ton tour. Bon, je suis pas sûre que c'est quelque chose de bon. Ouais, c'est pizza. Ouais, mais c'est congelé. Bon, je vais quand même la manger. Aïe, ça fait mal mes dents. Comment je vais la manger? Non, j'y arrive pas du tout. Je crois que j'ai une idée. Laisse-moi te donner un petit coup de pouce. Tiens. Mort. Et mâche. Marie, je pense que ça a marché. Merci. Oups. Je crois que j'en ai fait un peu trop. Oh non! Mes dents! Oh, stupide pizza en pire. Je sais ce qui va te remonter le moral. Tiens, serre-toi. Mais fais juste attention cette fois-ci. Qu'est-ce qu'elle fait, Vita? Va-t-elle décorer la voiture? J'ai fabriqué la voiture la plus douce et la plus rose du monde. Tout en rose. Même les portes, je vais coller tous les coins. C'est magnifique. J'ai la voiture parfaite. Personne d'autre ne l'a fait. N'est-ce pas magnifique? Wow. Non mais je suis vraiment jaloux. Ah, j'ai une idée. Wow. Je vais avoir besoin de trucs comme ça, comme des portes. Pas de politesse. Voici votre commande. Wow, c'était rapide de votre part. Oh, wow! Juste ce qu'il faut. Un noir. Je l'ai montré la classe. Ce que c'est la voiture vraiment cool. 3, 2, 1, c'est fait!
La touche finale, c'est la meilleure voiture de ma vie. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, il faut mettre les pointes. Maintenant, ça fait peur. Ouais, génial. Quoi? Non, mais je rêve ou quoi? Waouh. Holy moly! Bon. Je vais pas abandonner si facilement. Maintenant, je vais faire la beauté à l'intérieur de cette voiture. Ouais. Les chaises douces. Un peu de détail. La housse de volant rose est parfaite. Il est tellement doux. C'est fait. Oui, j'ai la plus belle des voitures. Oh, et toi, mon pote? Charmant. Ajoutons de la lumière. Je vais ajouter de la bande ici. Ça va briller. Ouais, super résultat. Alex n'a pas l'imagination nécessaire pour me battre. Est-ce qu'il a vraiment tout aussi transformé tout en rose dans l'intérieur? Non, je dois faire quelque chose. Je sais, j'ai une chaîne, moi. Mon volant sera bien aussi cool. Parce que ça sera du fer. Il faut juste attendre que la colle sèche. Ouais, parfait. Bon, il me reste de la colle. Il faut en rajouter. Le crâne aura l'air cool et vraiment dangereux. Bon, je vous l'avais dit. Et le crâne, juste là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, génial. Bien joué. Et le dernier détail. Maintenant, ça fait peur. Ouais, j'ai la meilleure voiture. Voyons ce qu'elle a. Comme c'est cool. Quoi? Non, mais... Voyons voir. C'est le crâne. T'es jalouse? Un peu de quoi. Ouais, il y a de la place pour tout le monde. Même pour mon chien. Oh, bon garçon. Regarde ma voiture. C'est ici que tu vas dormir. Oh, quel cauchemar. Mon bébé ne pourra pas dormir avec les trucs comme ça. Ouais, je l'ai commandé en lit. Oh, tellement vite. Merci beaucoup. Vous m'avez beaucoup aidé. Je vais tout faire maintenant. Ton lit sera le plus confortable. Voilà. Regarde comme c'est mignon. Alors, t'aimes bien? Oui, je vois que oui. Ouais, j'adore ma voiture. Il est temps de prendre des selfies cool dans la voiture cool. Ouais, quel bel homme. Elles sauront comment laisser les voitures sans surveillance. Bon, je vais prendre tout ça. Vas-y, vite. Okay. Je me demande ce qu'il y a là-dedans. L'argent? Oh non! Un chien! Un énorme chien! On court! Qu'est-ce qui se passe? What? Non, mais qu'est-ce qui se passe? J'espère que rien de grave n'est arrivé. Oh non, mon sac! Oui, t'as une bonne sécurité, toi. Un sac? Ouais, bon garçon. Beta, ça a semblé être le tien. Ah, merci beaucoup. T'inquiète. Oh, toi. Garde mes affaires, toi. J'espère que les voleurs ne viendront pas. Quel jeu cool. C'est impossible de s'arracher. Oh non, la batterie est morte. Que faire? Bingo. Oui, je sais. La seule chose meilleure quand je suis sur un téléphone est quand je suis sur une console. J'ai même le bon endroit pour cela. Il faut juste ajouter une télé. Ouais, c'est un ajustement parfait. Et une console, je vais tout mettre ici. Ouais, et même les poufs, ça va mettre juste là. Et je pourrai commencer à jouer. Ouais.
Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Salut mon frère. Salut. Rejoins-nous. Waouh, c'est tellement amusant. J'adore. Oui, je suis tellement belle, moi. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Elle joue sur une console. Sans moi. Très bien, alors. Je vais montrer comment on s'amuser. Je vais mettre la boîte juste ici. Je vais ouvrir le coffre. Des trucs de fête, parfait. Oui. L'autre est juste à côté. Cool. Ouais. Beaucoup de lumière. C'est bien. Je vais mettre les guirlandes partout. Ma fête, ma soirée, ça va être génial. La musique. Regardez, je m'amuse tellement. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh ouais, cool, vas-y, on y va. Oui. Non. Et moi? Mes amis sont là. Amusons-nous tous ensemble. Mais pourquoi Alex ne s'amuse-t-il pas avec nous? Il joue tout seul. C'est ma faute. Alex, viens, on s'amuse. Comme c'est gentil de ta part, moi j'ai une autre suggestion. Tu veux bien jouer avec moi? Oui, bien sûr. Fais attention, je ne perds jamais. Je vais te montrer comment jouer. Waouh, c'est amusant. Merci de m'avoir invité. T'es la bienvenue. Comme c'est beau. Je me demande où nous sommes. Ça doit être nos friandises. T'as raison. J'ai des fraises. Waouh, elles sont si mûres. C'est sûr, t'as de la chance. J'ouvre l'assiette maintenant. Quelle jolie sucette. Attends une seconde, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça ressemble à un énorme cafard. Alors tu ferais mieux de commencer avec tes fraises. Ça me dérange pas du tout. Ah, je peux aussi goûter, s'il te plaît? J'espère qu'Emma ne remarque rien. Oh, non, oui, mais j'ai remarqué, moi. Va, moi, ma bête. Non, moi aussi, je veux goûter la fraise. Oh non, tout ce qui me reste, c'est une feuille. Eh bien, fais pour toi. C'est ma bête, et je vais la manger. Comme ça a l'air délicieux, je vais en prendre après tout. Je vais juste en prendre un peu. Pourquoi mon assiette est vide? Où sont toutes les baies? Miranda, t'as fait ça? Non! Ne le nie pas! Pourras ta revanche! Ouvre ta bouche! Mais je veux pas! Tu devras le faire! Comme t'es cruelle, Emma! Oh, c'est dégoûtant! Regardez, t'as tout mangé! Mais il y avait un cafard là-dedans! Oh non, je l'ai complètement oublié! C'est dans ma bouche! C'est dégoûtant! Je pense qu'il est vivant! Non, mais il court vers moi, que faire? Tiens, prends ça, c'est pour toi. J'ai dit, ne t'approche pas. Emma, t'as des problèmes. Étrangement, mais il n'y a rien. Il est là. Pourquoi tu l'as planté? Elle va nous tomber dessus. Il semble que c'est clair. Non, mais arrête, ne saute pas aux conclusions. Le cafard est juste sur ta tête. Oh non, pas ça. Je vais te sauver, Emma. Tiens bon, j'ai une énorme chaussure. Merci pour ton aide, Miranda. On dirait que mon plan n'a pas fonctionné. Waouh, une nouvelle nourriture. Presque pour que j'ouvre en première. Oh quoi, une petite toilette? Ça a l'air cool. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Ah, je vais trouver quelque chose. Mais d'abord, enlève le couvercle de ton plat. C'est beaucoup d'yeux de marmelade, super. Waouh, t'as tiré ton billet de chance. Il est temps de prendre un bon réfléchissement. Par où commencer? Je pense que je vais commencer par cet œil. Et qu'est-ce que tu fais, Emma? Arrête de faire des bêtises. Oh, allez! Ne sois pas emboulé. C'est génial. Comme c'est délicieux. Je veux continuer. Le deuxième œil est le suivant. Il est si doux. J'adore. Je suis définitivement inarrêtable. Peut-être que tu veux partager avec moi? Pas du tout. Je n'ai à peine pensé à c'est moi-même. T'es si drôle, Emma. Ta bouche est pleine d'yeux. Et ce n'est pas la limite.
Oups, on dirait que j'en ai oublié un peu. Si t'as fini, je suis prête à regarder ce que t'as. Waouh, je vois deux sucettes. C'est une sacrée prise. Hey, tu peux être plus attention. Oui, je vois que t'aimes bien ta sucette. Qu'est-ce que tu fais, Emma? C'est ma sucette. Je voulais juste enlever l'emballage pour que tu puisses le manger tout de suite. N'essaie pas de me tromper, je sais que tu ne l'es pas. Tu m'as fait complètement oublier des toilettes. Waouh, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à du fil. Waouh, qu'est-ce que c'est? Nous devons bientôt tremper notre sucette dedans. Ça a l'air délicieux. Je suis sûre que c'est devenu délicieux. Oh oui, le caramel sucré, le fils acidulé vont très bien ensemble. Je ne m'arrêterai pas avant d'avoir tout mangé. Je dois essayer ça tout de suite. T'es encore en train de le faire, Emma? Qu'est-ce que tu fais, Miranda? Arrête de me frapper. Désolée, je ne voulais pas. Oh, j'en ai marre de tout ça. Je ne vais pas te laisser t'en tirer comme ça. Perdante. Je vais ouvrir le plat en première. Merci, je savais que ça ne te dérangerait pas. Oh, le Fanta au bébé, c'est génial. Allez, ouvre. Oh non, j'ai cassé un ongle. Pauvre petite chose, laisse-moi t'aider. Je suis très expérimentée pour ouvrir le Fanta. Tu vois, tout s'est arrangé. Ça sent vraiment bon. Cela me donne envie de l'essayer moi-même. Pas du tout. Donne-le-moi, c'est mon Fanta. Le parfum est vraiment génial. Je suis sûre que le goût est encore meilleur. Hein? Oh oui, c'est génial. Tu aurais pu partager avec moi. En guise de remerciement. Mais si tu veux pas le faire, je le prendrai moi-même. Cool. Comme c'est rafraîchissant. D'où vient cette paille? Emma, tu le fais encore une fois. C'est bizarre, pourquoi le Fanta ne coule-t-il pas? Ah, Miranda, salut. Ah, j'en ai tellement marre de toi. J'espère que le Fanta m'aidera à me changer des idées. Oh, je suis désolée. Mais c'était bon. Ta canette a volé un plan dans ma tête. Arrête de bouder et ouvre ton couvercle. Il n'y a pas d'assiette, juste un bouton rouge. C'est bizarre. Qu'est-ce que je suis censée faire avec? Je sais pas, essaye peut-être d'y appuyer. Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Je travaille avec des armes chimiques. J'ai quelque chose pour vous. Pour moi? Mais j'en ai besoin de rien. Malheureusement, ce n'est pas à toi de décider. S'il vous plaît, je vais prendre le bouton. Ah oui, j'ai presque oublié. C'est maintenant une zone à forte radiation. Miranda, comment vas-tu? Est-ce que tout va bien? Au revoir. C'est le bonbon le plus acide qui soit. Quel cauchemar. Je ne suis pas sûre que je pourrais le manger. Ça a l'air effrayant. Qu'est-ce que tu fais? C'est génial. Tu dois éprouver de nouvelles sensations. Cool. On dirait que j'ai peur pour rien. Que dirais-tu d'une friandise pour moi? Je suis désolée, mais je ne refuserai pas une recharge pour moi. C'est tellement aigre. Mais j'aime bien ça. T'as l'air un peu rude dans le vrai sens du terme. Oui, je vais essayer. J'ai besoin de faire l'expérience moi-même. C'est vraiment aussi de cool. Oh, où sont-ils, c'est le bon. Miranda, je t'ai dit que je mangerai moi-même. Rends-les-moi, non, les canettes est vide. J'ai tellement aimé que je n'ai pas pu m'en empêcher. Et maintenant, je le regrette. J'ai besoin d'une couverture. Non, mais c'est très acide. Oh, je me suis cachée à temps. 1, 2, 3, tu commences. Waouh, des bonbons Poppy, t'es une seringue de sirop. Je suis contente, je compte sur ma chance. Génial, ça a l'air cool. Voyons ce que j'ai. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un petit cercueil. Ça me fait flipper. J'ai peur de deviner ce qu'il y a à l'intérieur. Laisse-moi commencer. Je suis sûre que c'est délicieux. Je n'ai pas le droit de renverser. Ouais, c'est du sirop. Et maintenant, je vais ouvrir le pop candy. Je suis sûre que j'aimerais tout autant. Quel éclat brillant, incroyable. Emma, arrête de vous retourner dans les affaires des autres. C'est ma nourriture, je l'obtiens. Waouh, de vrais feux d'artifice dans la bouche. C'est génial, je ne peux pas te dire ce que ça fait. Je veux plus, c'est comme un feu d'artifice qui explose dans ma tête. Waouh, c'est un effet très inattendu. Regarde ça, Emma. Je pense qu'il est temps de te mettre dehors. Tiens, bon, Miranda. J'espère que le sirop t'aidera.
Merci beaucoup, Emma. T'es arrivée juste à temps. Maintenant, c'est à ton tour de la boire. J'aurais rêvé que tu me l'aies pas rappelé. J'ai peur d'ouvrir la boîte. Il y a de la vapeur qui sort. Qu'est-ce que c'est? Je comprends rien. Essaie de regarder de plus près. On dirait que c'est des nachos. Pauvre Emma, je suis désolée pour toi. Quel cauchemar! C'est très épicé, ma langue est en feu. Mais tu dois tout manger et pas lécher. Je n'ai pas le choix. Quelque chose est sur le point de se produire. Du feu, j'ai déjà en feu. Aidez-moi, Miranda. Oh non, pas ça. Ne regarde pas dans ma direction. Oh non, mais laissez-moi, arrêtez-moi. Oh, je crois que je suis de retour. Maman, c'est une bonne nouvelle. Miranda, t'es où? Je suis là. Non, mais tu m'as mis à terre. Tu n'as pas l'air très bien. Toi non plus. Salut à tous. Wow. Oh. C'est une sacrée crème glacée. J'en veux un aussi. C'est qui d'autre est là-bas? Bonjour, ma belle. Ça va? Quel bel homme. Est-ce que t'es congelé là? Sympa. Je pense que c'est l'excuse parfaite pour avoir ta crème glacée. Honte à toi, c'est à moi. Wow. Et toute la crème glacée à moi, sympa. Donc c'est mal de voler celui d'un autre. C'est mauvais, mais c'est délicieux. Qui a fait ça? Pourquoi vous êtes de tels voleurs? Et c'est juste de les voler toute autre chose. Je propose que nous découvrions ce qu'il y a à l'intérieur dès que possible. Totalement d'accord, c'est tout? Un seul biscuit pour nous trois? Oui, ce n'est pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, je crois que je sais. Il est temps de tirer les cartes. Je ne vais même pas essayer le biscuit. Pas de chance. Sauf si je vais vite. Non, non, tu ne toucheras pas notre biscuit. Maintenant, je tire la carte. Je peux le mordre. Eh bien, cela signifie que je vais devoir le lécher. Et je voulais manger. C'est bon, j'ai eu de la chance aujourd'hui. Bien que j'ai une idée. Samantha, et si je commençais? Vas-y. Tu ne peux pas manger de toute façon. Je mangerai peut-être pas, mais je lécherai la meilleure partie. La farce blanche. Quoi? Tu n'as pas laissé pour moi? T'inquiète pas, j'ai préparé de la bave juste pour toi. Voilà, profite de ton appétit. J'ai une bonne bave d'ailleurs. Hey you! Quel cauchemar! C'est tellement dégoûtant! Oh! J'ai l'impression d'avoir été léché dans la bouche par un chien! Hé! Hey, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est dégoûtant! Il est temps d'ouvrir! Je peux le faire cette fois-ci! Voyons ce qu'il y a là-dedans! Oh oh, je pense que c'est un cactus. Peut-être que ça sera chocolaté. Il faut le vérifier. Non, non, c'est pas vrai. C'est réel. C'est terrible, c'est une aiguille. Je sais comment je peux t'aider. Il se trouve que j'ai quelques pansements qui traînent. C'est exactement ce dont tu as besoin en ce moment. Merci Jack, t'es un vrai gentleman. Je dirais qu'il est temps de tirer les cartes. Bien, pas encore. Yeah, j'ai gagné. Vous ne toucherez pas. Oh, je vais devoir le lécher. Et je dois le mordre. C'est affreux. Oui, pas de chance. Surtout en étant le premier. Moi, pourquoi moi? Non, tu commences. Arrêtez. Non, c'est à toi. Non, c'est à toi. Arrêtez! Pourquoi ne pas régler la question d'une manière plus simple? Pierre, papier, ciseaux. C'est une bonne idée. Pierre, papier, ciseaux. Ah, je pense que je gagne. Alors Jacques, tu seras le premier à lécher cette horreur. Au moins, c'est juste. Oh, ça fait vraiment mal, aïe! Pauvre Jacques. Oh, allez, c'est juste une blague. La langue n'est pas vraiment réelle. Stupide blague. Maintenant, tu dois lécher le cactus pour de vrai.
C'est bon. D'accord. Je vais pas prendre le risque. J'ai une idée pour rendre un cactus complètement inoffensif. Comme ça, ça ne sera pas du tout piquant. Oh, arrête, fais attention. Ça vole toujours droit sur nous. Je suis couverte d'aiguilles. Arrêtez, ne râlez pas. Au moins maintenant, je peux lécher le cactus en paix. Et Amber peut le mordre. D'accord, je vais essayer. Je suis pas impliquée, mais je suis toujours couverte d'aiguilles. Oh, même un cactus rasé a un goût dégoûtant. Oh, c'est juste dégoûtant. Pourquoi moi encore? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Oh, oh, c'est pas moi. Poupou. C'est toi, elle, Amber. C'est quoi cette odeur? Je pense que l'odeur vient sous le couvercle. Il faut découvrir ce qu'il y a là-dedans. Ok. Ouah, c'est ce dont j'avais peur, c'est un poisson. Oh, horrible. Méchant poisson. Mais les cartes n'ont pas été annulées. Oh non, je vais devoir le lécher. Yeah, je ne fais rien du tout, je suis chanceuse. Qu'est-ce que c'était? Oh, arrête. Ok. Alors je dois mordre ça? Eh bien non, je suis pas d'accord. Vas-y. C'est difficile que je pensais. J'ai peur. Quoi? Mais je dois le faire. Encore une minute. Pee-you. On va pas t'attendre. Je vais t'aider. C'est vrai, c'est vraiment plus rapide. Horrible. Comment tu oses? Je vais t'attraper. Ici, mange ton poisson. T'as fait quoi? Je n'étais pas prête. Je vais être malade. Oh, ça pue. Gross. Mais ce n'est pas tout. Il te reste un demi-poisson entier. Lâche-moi. Ah, tu me fais mal. Pourquoi tu fais cela? Eh bien, bro. C'est parti. C'est un énorme gâteau. J'ai déjà envie de le manger. Mais pas encore. Les cartes d'abord. C'est prêt maintenant. Okay. Génial. Je peux lécher n'importe quoi. Oui, je vais manger. Il n'y a rien que je puisse faire. Et pourquoi je devrais souffrir? Je peux aussi goûter le gâteau. Oh, c'est délicieux! Je pourrais manger ce gâteau pour toujours. Ne me touche pas! Ce n'est pas ton gâteau. Arrêtez! Vous pouvez bien partager. Parce que nous n'avons pas assez. Tu veux bien t'arrêter? En fait, c'est aussi mon gâteau. C'est vraiment bon! Arrête! Il faut partager! What? Mais qu'est-ce que tu... Oh, encore du gâteau sur le nez. Génial. T'avais raison. Le gâteau est génial. Et Samantha, pourquoi ne partages-tu pas avec nous? Please. Quoi de plus? C'est mon gâteau. No. Ah ouais? Alors tiens ça. Qu'est-ce que t'as fait? Je vais te... C'est ça. Je vais t'attraper. Tu n'aurais pas dû me faire ça. Hé! Ah ah. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, je pense que ça te va bien. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Oups, ça n'a pas l'air d'avoir bon goût. C'est juste horrible, hein? C'est dégoûtant. Quel cauchemar. Please. Et moi, je mange ça. Et moi? Ok. D'accord, le chien ne serait pas si difficile si tu tiens le nez. Ce n'est pas si effrayant. Ici, t'enlèves la panse à l'ange. Oh, c'est dégoûtant. Mais non.
Ma protection. Maintenant, toi. Oh non. Ok. Je ne peux pas faire ça. C'est dégoûtant. Mais il faut. Pourquoi est-ce que c'est moi qui ai de la malchance? Oh non. Du coup, c'est désagréable. Un vent de l'air frais. Raconte-moi. Tu n'es pas encore heureuse, je me sens pas très bien. Oh non, il y a encore cette puanteur. Aidez-moi. Je suis en train de tomber, sauvez-moi. Oups. Ce n'est pas ma faute. Jetons un coup d'œil ensemble. Cool, Babouba. Oui, il ne reste plus qu'à tirer les cartes. Qu'est-ce que j'ai? Bon, c'est parti, je ne pourrai même pas manger. Ok. Yeah! Je peux mâcher en chewing-gum. C'est cool, non? Allez, chier. Le chewing-gum doit être mâché. Tiens, attrape, tu commences. Cool. J'espère que le goût est vraiment bon. Essayons avec la langue. Bien que, quel est le problème? Je peux tout lécher. What? Le goût sera meilleur comme ça. Tu vas tout gâcher. Peut-être que c'est suffisant. Donne-le-moi. Voilà, maintenant, elle se bave dessus. Au moins, c'était bon pour moi. Non, je le mangerai pas. C'est dégoûtant. Ah. What? Oh non. Pourquoi moi? Oh non, personne va le manger après moi. Je crois que j'arrive enfin à obtenir du chocolat sympa. Nous pourrons le manger pour toujours. Il semble que ta bouillie manque plus de liquide dans ce tube. Oh non, tu vas tout gâcher. Je ne vais rien gâcher. Oh regarde, il y a un problème avec le chocolat. Ça bouge? Oh wow! Nous avons eu une explosion de chocolat. Au fait, ton visage est tout chocolaté maintenant. Toi aussi. Bizarrement, mais mon iPhone est devenu brun. Comme une barre de chocolat. C'est vraiment le vrai chocolat. Et délicieux au fait. Oh oui, n'est-ce pas? C'est pas possible. C'est vrai. Le chocolat, c'est la bombe. Moi aussi, j'ai le même. Et écoute, lesquels d'entre nous a le chocolat? Mon bar sent vraiment bon, alors j'espère que c'est moi. Eh bien, essaye. C'est vrai. C'est moi qui ai le chocolat. Et je n'ai pas besoin d'or. Ah oui? Peut-être que j'ai aussi du chocolat? On peut vérifier ça. Alors, t'aimes bien? Non. Écoute, mes bras étaient toutes cassées. Comment je suis censée vivre maintenant? Oui, t'as fait des bêtises, toi. Mais ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Personne ne le sait, mais je suis en fait un dentiste. Ouvre ta bouche, je vais réparer tes dents. Je n'ai pas besoin de tes dents, j'ai des meilleures idées. Donne-moi de l'or. Oh oui, merci beaucoup. Et la bienvenue. Je suis médecin après tout. Ouvre les cloches, les yeux fermés. C'est plus amusant comme ça. Alex, elle est tellement naïve. Oh non. Je ne vais pas manger de piment fort. Et Alex, par contre, on adorerait, hein. Vas-y, ouvrons les yeux. Au revoir. J'ai un piment au chocolat. Oh non, j'ai un piment ordinaire. Il doit être très épicé. Mais c'est à toi de le découvrir. En attendant, je peux goûter mes piments. J'ai un piment au chocolat pur. Je suppose que maintenant, je dois goûter mon piment. C'est bizarre, ce n'est pas du tout épicé. Regarde, il y a du chocolat dedans. Puisque j'ai du chocolat, qu'est-ce que t'as toi, Barbie? Oh non! C'est un vrai piment fort! À l'aide! Je sais pas comment t'aider. Je pense que l'eau devrait te sauver, cependant. Mais c'est chaud! Alors attends, je reviens.
Oh, je peux me débrouiller toute seule. Oh, l'arrosage m'a aidée. Tiens, j'ai apporté un seau entier de lait juste pour toi. Ferme les yeux. Non. Oh, j'ai éteint le feu sans ton lait. Super, Poppite, c'est génial. On peut appuyer. Oui, je suis d'accord, j'adore aussi les Poppite. Mais tu trouves pas que c'est bizarre que toutes les deux on peut y appuyer? L'un de deux, c'est censé être un chocolat. J'arrive même pas à mordre dans le mien. Oh, regarde, il y a un point d'interrogation. Moi aussi, j'ai le même. Vas-y, on y appuie. Maintenant, je n'ai non seulement joué en caoutchouc, mais aussi du coca au chocolat. Et en fait, il y a des litres de chocolat à l'intérieur. Le chocolat est si bon. Évidemment, un produit laitier, c'est mon préféré. J'ai une idée pour combiner le chocolat et le Poppite. Poppite est le moule parfait dans lequel tu peux verser du chocolat et obtenir une barre aux formes funky, inhabituelles. Tout ce dont tu as besoin pour cela est un micro-ondes ordinaire. Maintenant, j'ai un Poppite cool et très savoureux en chocolat. Laisse-moi au moins y goûter. Pas du tout. Je peux le faire sans toi. Et vas-y, sois assis là et sois jaloux de voir à quel point c'est bon pour moi. Radine. Mais pourquoi je suis assis ici si longtemps? J'ai aussi du coca. Je peux verser dans le Poppite d'ordinaire et obtenir quelque chose de délicieux. Il ne faut pas oublier de le mettre au réfrigérateur. Oh, qu'est-ce que tu peux faire avec du coca? Tu vas le découvrir. Oh non, ça fait mal. Regarde ce que t'as fait. Oh, j'ai pas fait exprès. J'étais tellement pressée. Je voulais essayer ma délicieuse sucette de coca. C'est si bon. Laisse-moi en essayer. Bien sûr. Je suis pas un homme, moi. De plus, cette sucette est trop collante. Je préfère avoir ta barre de chocolat à la place. Bon, tu peux pas sortir de cette sucette sans moi. T'as besoin de mon aide. Je trouvais que c'était amusant. Je suis d'accord. Voilà, c'est tout le cactus dont j'ai besoin. J'ai aussi un cactus. Ils doivent être aussi piquants. Ah, ça pique vraiment. Ah oui? Alors, je dois vérifier mon cactus aussi. Ah oui, je peux juste goûter les aiguilles. Oh, c'est si bon. Ce n'est pas une aiguille. C'est un délicieux biscuit. Il y en a tellement. Crème sur le dernier. Oh, mon cactus n'a pas d'aiguille, mais j'espère que c'est assez savoureux tout seul. C'est magnifique. Tes dents bras en le sont aussi. Moins de paroles, plus de nourriture. Mon cactus est réel, alors ce n'est pas facile de le manger. Mais j'ai une idée géniale. Pour que les aiguilles n'interfèrent pas avec ma nourriture, il suffit de les raser. Attention, toutes les ordures arrivent droit sur moi. Désolée, je n'avais pas remarqué. Maintenant, je me retrouve avec un cactus chauve devant moi. Mais pourquoi le mordre comme ça quand tu peux essayer d'en tirer ce qu'il y a de plus délicieux, le jus? Ouah, c'est horrible. Je vais vraiment l'essayer. Donne-moi, je me fiche ce que tu vois tout. Je vais être malade. Je t'ai dit que c'était vraiment dégoûtant. C'est le pire jeu que j'ai jamais goûté. Il y a un nouvel iPhone. Si t'as un Bria, alors j'en ai un chocolat. Oui, c'est vrai, c'est 100% chocolat. Regarde, c'est le premier iPhone pliable au monde. C'est aussi comestible et c'est délicieux. Tu penses que ton iPhone en chocolat, c'est cool? Et ce n'est pas le cas. Ce qui est cool, c'est que tu peux faire apparaître toutes sortes de friandises devant moi. Tout ce que je veux sera dans mon assiette. Je peux avoir un peu de ça? Non. Non, je mange tous ces bonbons moi-même.
enfin! Alex, voilà! C'est bon pour une amie! Merci beaucoup! Oh! Un cafard! À l'aide! Ouais, horrible! C'est un cafard vraiment méchant! Il est sur la tête d'Alex! Quoi? Non, je ne laisserai pas me manger! Ouais, nous l'avons eu! Oui, en guise de récompense, j'ai tout aussi un tas de goodies différents! Wow. Barbie, regarde! C'est un vrai appareil photo! Et prends une photo de moi une fois! J'ai une super photo de moi! Vas-y! C'est devenu très cool! Alex, tu peux prendre une photo de moi maintenant! Je veux aussi une photo cool! Facile! Oh! Baby! C'est très drôle! Je dirais même que c'est vraiment très drôle! Ah oui? Montre-moi rapidement! Pourquoi tu fais ça? Moi, j'ai fait une super photo de toi! Waouh! Pas le temps d'être triste, j'ai un appareil photo en chocolat! Je me demande si c'est bon! T'as vu ça? Elle a transformé les verres en chocolat! Oh, je ne l'ai pas seulement vu, j'ai aussi goûté ça! Tu me laisseras pas même en morceaux, mais ce n'est pas grave. Alors je l'ai transformé en chocolat avec mes chaussures. C'est une excellente idée. Wow. Super! Maintenant mon ancienne basket est devenue un délicieux chocolat. C'est trop cool! Est-ce que je peux au moins avoir un petit morceau, s'il te plaît, s'il te plaît? Et je vais te donner un appareil photo pour ça. Non! Alors je vais voler ton appareil photo moi-même. Non, tu n'oserais pas. Oh, qu'est-ce qui vient de se passer? On dirait que Barbie, la bavarde, ne veut plus me dire à moi maintenant. Je pourrais même la manger et rien ne m'arriverait. C'est trop cool. C'est délicieux. Oh, waouh! Où sommes-nous? Oh, on est enfermé ici. Non, n'importe quoi. Quoique, arrête de courir. Il semble y avoir quelque chose de très intéressant ici. Marie, qu'est-ce que tu fais? J'essaie d'abord d'ouvrir les boîtes. Je me demande ce qu'il y a là-dedans. Oh, n'importe quoi. Regarde, il y a autre chose. Il doit y avoir une clé dans cette boîte. Oh, ouais. Non, mais j'y vais pas, moi. Je propose de résoudre cela avec l'aide d'une comptine. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais chercher la clé. Bon, je vais devoir chercher la clé. Oh, c'est quelque chose de mouillé. Probablement de l'ordinaire. Bon, j'ai peur quand même. Mais j'espère que ça va aller. Non, c'est pas la clé. C'est un poisson. Ouais. Oh, regarde comment il est beau ce poisson. Je vais le remettre à l'eau. Nous sommes toujours intéressés par autre chose quand même. Et voilà la clé. Marie, viens avec moi. Clé rouge signifie qu'il est avec elle. On peut ouvrir le coffre-fort rouge. Et voilà, on ouvre. Oh, de la dynamite! Non mais, vraiment? De la dynamite? Quelle horreur! Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Je sais pas, je sais pas. Oh, j'ai une idée! J'espère que j'ai pris des pinces. Ouais, je cherche. Ouais, bien sûr. Marie, tu peux couper le fil? Tu ferais mieux de faire ça, toi. Bon, je vais essayer. J'espère que je ne vais pas déchirer avec cette dynamite. Il me semble que le fil jaune serait la bonne solution. Oh, ça a marché. Oh, rien n'a fonctionné. Oh, n'importe quoi. Oh, c'est tellement sale. Mais j'ai une idée. Je vais avoir besoin de ce truc-là. Oh, mais c'est quoi, la brosse? Non, mais arrête d'être paresseuse. Il faut chercher la clé suivante. Vas-y, va-t'en. Oh, ouais. Bon, je suis forte. Je peux le faire. Je me demande ce que c'est. C'est bizarre. Oh, ouais. C'est l'os à marmelade. Et au fait, c'est très bon. Mais j'ai plutôt besoin d'une clé. Et la voilà. Je ne vais pas le laisser tomber. Vas-y, Mia, ouvre le coffre. Oui, bien sûr, mais peut-être toi-même.
Bon, vas-y, je vais le faire. Bon, voyons voir. Oh, waouh! J'ai tout le visage en paillettes maintenant. N'importe quoi. Non, mais en fait, c'est super cool. Tu peux faire un maquillage super brillant. Oui, regarde, juste comme ça. Mais pourquoi t'as besoin de maquillage? Mieux vaut chercher la clé suivante. Il ne reste plus qu'à espérer qu'il n'y ait rien de très effrayant à l'intérieur. Quelque chose bouge. Ça doit être un dinosaure ou un crocodile. Non, ils sont trop gros. Voyons ce que c'est vraiment. Ah, c'est ça! C'est un vrai caméléon! Il est tellement mignon! Je vais l'envoyer se reposer. Je n'ai besoin qu'une clé. Et là, voilà! Il est temps d'ouvrir le coffre-fort vert. Et c'est le moment... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ouais, mais comment utiliser ce pistolet pour l'argent? C'est bizarre, ça. Oh, non, mais regardez combien d'argent y a-t-il! Tout est pour moi! Je me sens comme la fille la plus riche du monde! Oh oui, c'est génial, ça! Ouais, c'est parfait! Il y a tellement d'argent! Tout le bien finit un jour. Rends-moi mon argent et prends la clé s'il vend pour nous. Et si je gardais juste un peu? Je vois tout, hein! Bon, je vais devoir récupérer la clé honnêtement. Oh, il y a quelque chose de cool et gentil et mou à l'intérieur. On dirait du sable cinétique en fait. Ouais, je pense que c'est ça. Et voilà la clé. Il est temps d'ouvrir le coffre bleu. Bon, je me demande ce qui se passe si je tire par le lacet. Ouais. Waouh, regarde. Il y a tout un tas d'orbites. Tire encore. Ouais, c'est super cool. Je suis la vraie reine de tous les orbites. Cool. Donc, il semble y avoir une nouvelle clé. Et je devrais l'avoir. Bon. Je me demande ce que c'est. Bon. Oh non, ce sont des verres. N'importe quoi. Il faut récupérer la clé et ne plus jamais toucher à cette chose horrible. Ah, oh, je vais vomir, Marie. Sauve-moi. Oh, tout a été décidé par lui-même. C'est cool d'avoir un joli coffre-fort rose quand même. Oh, à l'intérieur, il y a de la mousse rose. Mais pas du tout mignonne. Oh, n'importe quoi. Et moi, je trouve ça marrant. Ouais, génial. Et Marie, c'est à ton tour de récupérer la clé. Oui. Bon, après les verres, il est particulièrement friand d'y mettre les mains. Oh, c'est encore dégueulasse. Je vais pas y toucher. Mais tu dois avoir la clé. J'ai traversé des verres, donc tu dois traverser quelque chose de terrible. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? N'importe quoi. Oh, c'est un œil. Oui, c'est un œil. Et il est très bon d'ailleurs. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est juste un bonbon. Vas-y, cherche la clé. Bon, d'accord. Et la voilà. C'est l'or du coffre bleu. Ouais, et là, j'ouvre. Voyons voir. Et c'est l'or du coffre bleu. Mia, je veux que tu appuies sur ce bouton. C'est fait. Ce n'est pas pour rien que j'ai cliqué dessus. Sinon, je devrais me tenir sous ces trucs bleus dégoûtants. Oh, oui, n'importe quoi. Bon, ce n'est pas pour rien que j'ai cliqué dessus. Sinon, je devrais me tenir sous ces trucs bleus. Bon, je dois aller chercher la clé suivante. Oh, c'est quoi ça? Des cheveux? Oh, c'est vraiment dégoûtant. Ah, pourquoi j'en ai moi? C'est dégoûtant, ça. Oups, j'ai pas fait exprès. Elle est où, cette stupide clé? La voilà. Il est temps d'ouvrir le plus sombre de tous les coffres forts. Hey, come on! Okay. Bon, voyons voir. Yummy! Il s'avère que c'est dans le coffre fort le plus sombre que c'est délicieux. Il y a plein de biscuits Oreo. Ouais, génial.
comme c'est bon! Mia, tu pourrais me donner un autre biscuit? Oh, c'était juste délicieux! Peut-être qu'il y aura aussi quelque chose d'agréable dans le prochain coffre-fort! Bon, je dois d'abord trouver la clé. Oh. Donc, c'est quelque chose de coulant. On dirait des œufs crus. Oh, n'importe quoi! Bon, je dois faire quelque chose. Mais j'ai trouvé la clé! Voyons voir ce qu'il y a dans le coffre jaune. Mia, tu vas l'ouvrir? Bien sûr! Mais je ne le permets pas. Ridicule! Il y a clairement quelque chose de cool là-bas. Mais non, s'il te plaît! Oh, ouais, il y a vraiment quelque chose de cool, je suis sûre. Oh non! Oh là là! Il y a vraiment quelque chose! Oh, n'importe quoi! Je n'ai rien vu de plus drôle depuis plus longtemps! Tellement drôle! Arrête de rire et va chercher la dernière clé. Très bien, la poule. Bon, voyons voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est tellement dégoûtant. N'importe quoi. Ah, ce sont des larves. Oh, mais il faut récupérer la clé. Oh, enfin, je l'ai fait. J'ai failli m'évanouir de peur. J'espère qu'il y a quelque chose de cool dans ce coffre-fort. Et ouais! C'est notre clé de la liberté! Ouais, cool! On a réussi le challenge! Oh! Et là, il est temps de sortir! C'était cool, mais on doit y aller!